Mercredi à tous, mon nom c'est Kagome. Moi c'est Jenny Alma. Aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2018. Aujourd'hui au menu ce sera du pâté chinois. Au local ce midi, l'animateur sera Félix, rédactrice Ariane et metteur en onde Jenna. Visite à Marguerite Bourgeois, jeudi le 20 décembre, pour les élèves qui participeront au projet Bas de Noël de Mme Liette et de Mme Marie-Michel, n'oubliez pas de vous habiller chaudement, puisque nous allons se rendre à pied à l'école Marguerite Bourgeois, à moins que vous avez un véhicule. Tu te vois ici, le programme d'apprentissage pour les jeunes du Nouveau-Brunswick est à la recherche d'élèves en 10e année et en 11e année qui s'intéressent à des possibilités de pré-apprentissage dans les métiers spécialisés au cours de l'été 2019 avec des entreprises de tous les coins du Nouveau-Brunswick. La demande de participation sera acceptée durant la période du 28 novembre au 18 janvier. Pour en apprendre plus, tu peux consulter le site web de la PAJNB au www.pajnb.ca. Bonjour, je suis ici pour te parler de comment le programme d'apprentissage pour les jeunes du Nouveau-Brunswick peut te donner une longueur d'avance dans une bonne carrière. Ce qui s'en vient peut sembler loin, mais ça ne l'est pas. Tu vas graduer dans 2 ou 3 ans. Du début de la 10e année, il reste 24 780 heures avant ta graduation. Et au début de la 11e année, il te reste seulement 16 020 heures. Et le temps passe. Alors, c'est quoi tes options? Tu connais probablement déjà ce que le collège et l'université peuvent t'offrir, mais peut-être moins l'apprentissage des métiers spécialisés. Mais c'est quoi un métier spécialisé? Les métiers spécialisés sont des emplois où tu travailles avec tes mains, comme un soudeur sur un oléoduc, un électricien dans une centrale électrique, un technicien d'entretien automobile dans un concessionnaire ou un cuisinier dans une cuisine d'un hôtel comme celle-ci. Donc la question que tu peux te demander est-ce que ça pourrait être moi? La réponse peut être oui si tu aimes apprendre quelque chose en le faisant, es excité d'apprendre en dehors de la salle de classe, ne veux pas travailler dans un bureau et est assez confiant d'essayer quelque chose de nouveau. Prenons Bronwyn et Rock, par exemple. Bronwyn a commencé PAJNB 2 ans passés comme élève apprenti tuyauteur monteuse de tuyaux à vapeur pour Jacobs à la raffinerie Irving Oil de St. John. Et maintenant, elle fait son stage de travail co-op ici, chez Burke Industrial, où elle s'est aperçue qu'elle aime aussi souder. Et maintenant, elle veut se spécialiser et devenir monteur de tuyaux à vapeur soudeuse. Rock a été inspiré 3 ans passés par une présentation PAJNB à son école. Il a convaincu la scierie J.D. Irving à Saint-Léonard de l'engager. Il a travaillé pendant 3 étés comme élève apprenti mécanicien industriel et maintenant il prend le cours de mécanicien industriel au CCNB Bathurst. La scierie a bien hâte qu'il finisse. Mais comment apprendre un métier spécialisé comme Bronwyn et Rock? Par l'apprentissage, qui est un moyen d'apprendre en travaillant. Tu combines un travail manuel rémunéré d'apprentissage pratique avec un peu d'apprentissage en classe pour obtenir un diplôme et certification dans un métier spécialisé. Le plus intéressant des métiers spécialisés au Nouveau-Brunswick est que dans les prochaines 10 années, il y aura une énorme demande de travailleurs de métiers spécialisés dans la province. Les travailleurs des métiers spécialisés prennent leur retraite et nous avons besoin de personnes comme toi pour travailler dans la construction, la fabrication, et les services industriels spécialisés comme monteur de lignes sous tension, cuisinier et mécanicien industriel. Les employeurs ont besoin d'employés comme toi et tu peux gagner un bon salaire. Intéressé? Voici comment PAJNB peut t'aider. Le programme d'apprentissage pour les jeunes du Nouveau-Brunswick est en place pour t'offrir une longueur d'avance dès maintenant au secondaire en te reliant à un employeur de métier spécialisé local où tu peux travailler avec un mentor, gagner un salaire pendant 3 étés et commencer ta carrière. Tout ça pendant que tu es toujours au secondaire. En d'autres mots, tu peux gagner de l'argent en apprenant. Ensemble, PAJNB, l'école et ton travail te donnent une longueur d'avance dans un métier spécialisé. Tu te souviens de Bronwyn et Rock? Ils ont appris autant qu'ils pouvaient sur PAJNB, fait de la recherche sur les métiers spécialisés et ont bien composé leurs demandes qui ont convaincu PAJNB et leur employeur qu'ils pourraient réussir leur pré-apprentissage dans un métier spécialisé. Comme Bronwyn et Rock, tu peux aussi avoir un bel avenir à gagner de l'argent en apprenant.
Commence aujourd'hui et adresse ta demande aux pages B. C'est vraiment facile. Visite notre site web et regarde quelques vidéos d'élèves page B en leur milieu de travail. Et n'oublie pas de nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram pour voir ce qu'il y a de nouveau et excitant avec page B. Pensez-y. Te vois-tu ici? Envoie-nous ta demande. Salut tout le monde! Alors les classes qui peuvent venir chercher leur chocolat dans le calendrier de l'Avent, c'est la classe à Marc Pau et puis Madame Nadia. Alors venez nous voir au conseil. Juste pour vous dire, l'activité d'aujourd'hui, c'est trouver les cannes. Alors comment ça fonctionne? On va avoir une espèce d'assiette en aluminium avec des petites cannes et puis la crème fouettée. Alors il va falloir chercher dans l'assiette pour trouver les cannes. Un autre petit message, juste pour vous dire, demain, c'est la journée chic. Alors, habillez-vous, cravate, chemise, les robes, etc. Mais juste pour vous dire, le code vestimentaire va prendre place. Alors, je sais que Madame Julie a un petit message pour ça aussi. Dernière chose, c'est qu'on va passer les mémos de Noël. Alors, la distribution des mémos va se passer aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour des petites cannes. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous remercions les élèves de la classe de Madame Liette du cours d'art pour avoir fait, pour avoir décoré ces tasses. Et avant de partir, nous invitons Madame Julie à venir vous parler. Bonjour, petit message de la direction pour vous encourager demain à participer à la journée chic. J'ai hâte de vous voir tous habillés chic, mais de façon décente, parce que c'est quand même un établissement scolaire. Alors, assurez-vous qu'on ne voit pas vos sous-vêtements et que c'est approprié, comme si on allait voir la parenté, mettons, de la blonde ou du chum. Hein? On s'habille de façon appropriée. Mais participez en grand nombre des super belles activités que le conseil vous a préparées cette année. Et puis, si je n'en ai pas l'occasion, je voudrais en profiter pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Reposez-vous et revenez-nous en forme en janvier. Et puis, donnez un petit coup, là. Je sais qu'il y a des petites évaluations, tout ça, puis des travaux à remettre. Donnez un gros coup et comme ça, vous partirez en paix pour les vacances des fêtes. Alors, merci. Bonne journée. Bye bye.